Hi, Roger. Salut à tous. Bah, c'est Matt, hein. Intro classique. D'ailleurs, j'aurais pu faire original, mais bon, c'est pas grave. C'était une petite vidéo annonce, parce que de toute façon, ça faisait un bail que j'avais pas fait de vidéo. Voilà. Vous l'avez vu. Donc là, on est sur Tacman Stadium, pour ceux qui connaissent pas. Je vais plutôt essayer de parler que de jouer, hein. C'est vraiment une petite vidéo annonce. Donc, à savoir que dans les prochains jours, il y aura. Oula. Plusieurs tests de jeux en bêta, parce que là je sais pas pourquoi j'en ai eu une chier d'un coup. Donc il y en aura il y en aura un, deux, enfin des jeux qui sont pas sortis aussi. Il y a des jeux qui sont sortis il y a plus longtemps aussi, hein. Donc il y en aura un, deux, cinq, ok, cinq, voire six, mais il y en a un que je sais pas comment filmer parce que. C'est une bêta sur le Windows, sur l'appli Windows Store jeu là, fin des jeux. Donc, vous verrez bien. Et aussi, aussi c'était pour l'annonce de la fin, parce que j'ai un peu pété un câble sur le, enfin pas pété un câble, mais ça m'a un peu saoulé de faire le Let's Play de Far Cry. Bon, on va dire que c'était un petit bug. Hein. DVD connu, donc à moins que le bug revienne. Ouais, sous-entendu mon frère, je vais quand même le dire. Donc, je disais quoi, il y a des musiques, hein. Il quand celui-là me fait perdre tout ce que j'avais en tête. Alors, attends, je vais parler des bêtas. Ah oui, le Let's Play de Far Cry. Du coup, oui, j'en ai marre de faire le Let's Play de Far Cry. Du coup, je compte l'arrêter comme ça en mode pause, en mode de, ça se fait pas en tout. Donc je vais même l'enlever de la chaîne comme ça pour aucun remords, voilà. Et donc ça résume bien à peu près tout ce que j'avais à dire. Donc je vais faire un peu de Trackmania avec vous pour le fun comme ça, parce que j'en ai pas fait trop de Trackmania alors que c'est avec des jeux. En fait c'est un peu bizarre, mais les jeux de voiture j'ai tendance à pas les mettre en vidéo. Pourtant c'est les jeux que j'adore, mais je pense qu'en fait je les mets pas parce qu'il y a rien à dire dessus. Et si à la base quand même je me suis mis sur YouTube, c'était un pour l'expérience et deux pour un peu augmenter ma facilité à parler comme ça. Donc voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Bah oui, vous avez pu voir que le rythme des vidéos a baissé, voire complètement chuté, parce que j'en ai pas fait depuis il y a un moment. Parce que bon bah il y a eu. Alors vous pouvez penser que pendant les vacances j'en fais plus. Et ben non, c'est là où j'en fais le moins, bizarrement. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Parce que je sais pas, je prends le maximum de temps pour jouer avec mes potes. En fait je préfère jouer que filmer de temps en temps. Enfin la plupart du temps, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de vidéos. Bon, Mirror's Edge, je vais le finir, hein. Il reste deux épisodes, ça va le faire nickel. J'ai vu qu'il y a eu pas mal de gens qui aimaient bien la vidéo des lapins, des Overgrowth. On en refera des comme ça, hein. Si je l'appelle Roger Project, c'est pas pour rien. On va quitter cette course à la noix. Bon, je redécouvre Stadium, hein, parce que c'est Stadium 2, je l'ai acheté il y a pas longtemps. Je vous montrerai un mode d'ailleurs qui va avec. J'ai juste fait les premières courses, merde, les premières courses, donc là je vais jouer, tiens celle-là elle m'a l'air, merde, pardon, merde mais j'ai déjà la médaille d'or, casse-toi, je sais même pas comment je l'ai, ouais, bon je joue à la manette, d'habitude Stadium je préfère le jouer avec, comment ça s'appelle, je préfère jouer avec une... Avec le clavier, mais bon, là, je la manette en main, je jouais à un autre jeu avant, donc hop, c'est parti. Donc une Xbox filaire, une Xbox 360 filaire. Alors, on va laisser de vue, tac, au moins que ce soit fait exprès, peut-être, bon, on va la laisser alors, je sais pas. Je sais même pas si c'est moi qui l'unique, mais... En général, je suis mauvais sur les niveaux, il y a plusieurs tours, hein, comme l'autre, donc peut-être le prochain jeu, d'accord, ok. Et toi, t'es du... prendre de belles courbes, pas comme Shumi. Vous pouvez mettre une troll face si ça vous chante sur la caméra, parce que là c'était un peu, enfin sur le vidéo, parce que... non, allez, tac. Alors qu'est-ce que je pourrais dire de la chaîne, oui, donc oui, de ça je vais le dire d'ailleurs, ça fait un moment que je l'ai, c'est qu'en fait j'avais pris des espèces de films vidéo de la Paris Games Week, je devais les monter, puis j'ai complètement zappé. Il y a eu la neige, tout ça, machin et tout, le ski, les vacances. Du coup, j'ai complètement zappé et je
pense que je vais quand même le mettre dès que j'aurai fini. Parce que faut que je fasse pas mal de montage étant donné qu'il est en brut quoi. Il y a des petits bouts en brut, il y a du bruit et tout, il faut mettre de la musique, il faut que je parle par-dessus, des choses comme ça quoi, donc c'est pour l'instant c'est du brut de béton. Donc ouais je vais quand même le faire et on approche, si je dis pas de conneries, de la 150e vidéo. Donc, je vais faire un replay de Trackmania comme à chaque fois hein, je pense avec le petit truc. Ou en replay dans d'autres jeux peut-être. Hein. Je sais pas. Je connais pas d'autres trop de jeux qui ont un éditeur vidéo. Ah si je crois il y a Team Fortress, je crois qu'il y en a un, mais bon c'est pas génial. Je vais m'essayer mais j'ai pas trop envie. Il y a quoi qui pourrait en avoir un. Non, je sais pas. Oui. Je sais pas. Donc il y aura d'autres genre project. Ouais, quand ça, je savais pas quoi dire, on dit n'importe quoi. Hein, c'est... Ah bah voilà, fin de la course. On va peut-être aller en ligne. Oh, quoi attends, je vais faire une dernière course. Après on va faire un petit tour. Où ça? Sur. Ouais voilà, sur une piste normale en fait. On revient. Oh bah tu sais quoi, on va même prendre une voiture. Comme ça, ça vous montre un peu le bordel que j'ai installé. Bon, là, c'est toutes les voitures de base. Et après, alors là, il y en a une chier. Tiens, qu'est-ce qu'on va prendre? La moto, elle est un peu buggée, donc je ne vais pas la prendre. Elle est sympathique, celle-là. Je sais pas. Attends, j'avais téléchargé une Alpine. Ah non, je l'ai pas. Non, je l'ai pas, en fait. J'ai cru, mais c'est pas ça. C'est quoi, ça? C'est pas mal, ça. C'est la voiture de. Celle-là, ça peut être marrant. Ouais, on va prendre ça. Ça va être cool. Bon, il risque d'y avoir des bugs de collision, mais c'est pas grave. Allez, c'est parti. C'est party. Allez, on va pour celle-là. Allez go. C'est vrai que sur la manette. Effectivement elle est bien plus grosse que la voiture de base. Ah ils ont pas changé son moteur, dommage. Oui. J'aime bien cette voiture, elle est bizarre mais elle est marrante je trouve. Ah merde, fallait aller à gauche. Bon, ça va, elle est pas trop difficile pour l'instant cette course. Oula. Mon cul oui. C'est vraiment bien, mais c'est pas grave. Oula! Waouh, il y a eu un mini freeze là, je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas si j'ai perdu de la vitesse. Ouais, si je pense. Vous pouvez voir si vous aviez vu d'autres vidéos que ce stadium-ci est plus beau par rapport à l'ancien, j'entends. Donc ça, vous avez dû comprendre. Donc ça passe crème en fait. Hormis que j'ai fait une espèce de roue arrière bizarre à la fin. Ok, allez, on quitte. Puis on va prendre une autre voiture, mais ça je vais le couper parce qu'il y a des petits temps de chargement. Oh quoi que, c'est vite fait. Hein. Tac, modèle. Hop. J'avais envie d'essayer celle-là. Voilà. Oh quoi que la Viper elle est jolie. Oh bon, j'arrête de faire mon capricieux. Voilà. Ouais, c'est tous les noms. Important. Avec my very good accent. Comme même le dire les Français. Alors, qu'est-ce qu'on a comme bagnole sur Valley? On va se prendre un truc bien rallye, bien sale. Un truc bien sale. Alors, un truc bien sale. Ça, c'est bien sale, ça. Attends. Ouais, ça défonce. Ça, c'est la voiture de l'année prochaine. Ça. Ouais, je paye. Ouais, stylé, ça. Celle-là? Ouais. Oh yeah, je crois que j'ai trouvé. Ça c'est bien sale ça. Ça c'est bien trash. Bon j'en avais plein d'autres des voitures. Ah non on a dit multi. Alors, petit serveur où ça bouge. Si possible vers la France, comme ça il n'y a pas trop de lag. Putain il n'y en a que 7. Bon, bah c'est pas grave, on va aller dans celui-là. Alors vous allez voir ça va être bugué de l'infini. Je vous explique pourquoi.
si tu veux bien rentrer dans le serveur. C'est parce que déjà il héberge en Angleterre et que c'est loin de la Haute-Savoie. Et que ensuite, deuxièmement, j'ai pas une bonne co. Donc du coup, les voitures vont bugger, elles vont passer dans le sol, à part la mienne. Donc, bien sûr, c'est pour ça qu'il n'y a pas les collisions. C'est avantageux, tu peux jouer en ligne avec une co pourrie. Ça marche quand même. Par contre, il y a longtemps de chargement, je trouve là. Coupure. Peut-être. Non, peut-être pas. Allez. Bon, coupure. Allez, go for it. Oh, il est bizarre ce skin de Bunny. Ouah, par contre, je suis à 20 FPS là, il y a un problème. Alors, c'est beau. Mais j'apprécie pas les 20 FPS, si vous voulez mon avis. Putain, ça fait longtemps que j'ai pas joué à Valen. Ouah, la différence de maniabilité. Alors, attendez. Attendez, on va baisser un petit peu les graphismes. Bon, de toute façon, l'eau, on s'en fout. Pas les couilles. Voilà. Hop. Immédiate. Club de fer désactivé. Plus joli. On va baisser un peu le flou. Voilà. Peut-être là, ça va aller mieux. Ouais, 26 FPS. J'aimerais bien en fond monter à 30. Bon, bah, pas le choix, hein, faut baisser ça. Et aussi l'eau. Ok, bon, ça devient plus potable, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus moche. Hein. Alors, moi, je vois la différence en tout cas. Alors, bon, on va clore la vidéo sur ces petites. Alors, est-ce que ça passe là? Tac, je réapprends à jouer à Valet. Hein. Putain, j'étais bon à l'époque. L'époque, c'était cet été, mais bon, ça fait grave. Putain, c'est incroyable, Tom Valley bouffe beaucoup plus de performance que. Oui, allez, un petit hit. Ouais, Tom Valley bouffe beaucoup plus de performance que son confrère, Stadium. Attendez, je vais essayer de faire une petite manip, j'espère que ça va pas faire bugger l'enregistre. Allez. Je suis toujours là. Voilà. Tac, je suis là. Ok. J'ai pas l'impression que ma manip ait arrangé grand chose, mais bon. C'est pas très grave. Alors, est-ce qu'on avait fini la course là? Oui. Ah bah d'accord. Ouais, génial. Magnifique. Quelle originalité dans le ski. Amazing. Pff. Moi, je regarde les gens en bas qui parlent. Putain, je suis 2000ème, c'est de la merde. Yaourt à la framboise. Alors le mec il s'appelle Yaourt à la framboise et il est anglais. Ok, j'ai tout fait bugger. Non, c'est normal parce qu'il y a le chargement. Du coup, ça bloque sur la dernière image que vous voyez. Ah bah putain, c'est rapide. Là je dis oui là. Le bloom, on va mettre un petit peu quand même. Voilà, parce que le bloom c'est la vie. Je préfère l'anisotrope hein, mais l'anti-aliasing. Waouh, le monde de voiture. C'est une impression hein, que je suis en avant. Oh putain. Waouh, comme ça fait longtemps que j'ai pas joué sur dans la bouse. En tout cas, c'était magnifique toutes les voitures qui sont parties comme ça là. C'est pour ça que j'aime bien ce jeu. Une bonne sonore. Je sais pas si j'ai fait le réglage son. J'espère que c'est bien. Waouh, c'est dur putain de jouer dans la terre. J'avais complètement oublié ça. Bon, s'il y a une baisse de framerate, c'est pas très grave. Ça passe bien avec le flou. Là, ça va, hein, on est presque à la limite du potable. On est vers 30. Ouais, 30, ça va. Mais dès qu'on passe dans la forêt, ça chute. Hein, c'est normal. Beaucoup plus de détails. Surtout si vous mettez l'anisotrope. Là, on va. 10ème sur 39. Bon, ça, c'est honnête. Hein. Quelqu'un qui a pas joué depuis longtemps. Bon, c'est que le début. Hein, je vais me faire dépasser. Si jamais vous voulez voir mon score, je suis en bas à droite. Ah, en bas à droite. Ma place, je veux dire. C'est en bas à droite, au-dessus du temps restant après la prochaine épreuve.
putain, le son, par contre, le son de la voiture a un drôle de son. Enfin, on dirait qu'ils ont essayé de faire des espèces d'effets parce que c'est la première personne. Bon, alors c'est moi qui ai mal réglé mon casque. Peut-être j'ai mis un quadriphonique. Peut-être qu'il faut que je le mette en quadriphonique. Je sais pas trop. Je suis 9ème là, 10ème. Putain, j'en remonte. En même temps, je crois que c'est un des niveaux du jeu, ça, si je dis pas de bêtises. Est-ce que j'ai moyen de voir le nom du... Ah oui, c'est marqué en haut, mais en fait, je sais pas si vous... Enfin, vous le voyez, mais pas moi. Je le devine. C'est que... Aïe. C'est qu'en fait, c'est un... Qu'est-ce qu'il y a les framerates de la vidéo. Oh, j'ai oublié la touche pour les enlever. Mais c'est pas grave. Ouah. Ouah, ça lag. Voilà, c'est mieux comme ça. Ouah, alors là, on voit, la voiture, elle est tellement grosse que tu vois même plus le... Comme petit deux roues. La voiture est tellement grosse que tu vois même plus la route avec cette vue. Ah! Excusez-moi, je vais faire juste une bonne course. Ah, et ça y est là. Oh. Eh ben, je m'en fiche, je le mets à la converse. Allô? Allô? Tu es dans une vidéo, monsieur. Quoi? Tu es dans une vidéo. Vidéo de quoi? Une annonce comme ça que je faisais et j'étais en train de la tourner. Bah crois-moi pas si tu veux, mais en tout cas là je suis en train de... Ah, tu tournes là. Ah oui, non mais quand je dis que t'es dans une vidéo, je déconne pas, c'est... J'étais en train d'hésiter si je te répondais ou pas en fait. Puis je me suis dit, oh tiens, ça fera du... Ça fera du... Ça fera du... Comment ça s'appelle? La surprise. C'est une annonce de quoi, espèce de débile? Bah, de ce que je faisais, de ce que je ferais pas, tu vois, parce que comme j'ai décidé d'arrêter Far Cry... Ce que je faisais, en bichette. Ouais, parce que ça me casse les couilles, voilà. Puis le truc, il est sorti depuis un an, quoi. On est en plein hiver, ça n'a plus de sens. Que tu n'as plus de bœuf. Voilà, c'est ça. Et je leur disais qu'il va y avoir une chier de bêta qu'on va faire. Parce que j'en ai 6 en réserve, moi. Qu'est-ce que je voulais te dire? Oui, c'est à la fin de la bêta, normalement, Mathieu, que les stats sont effacés. Ce n'est pas au début. Si, parce que là, elle a pas commencé. Non, mais il y a une différence entre bêta ouverte et bêta fermée. Parce que là, on parle de Hearthstone, si vous voulez. Non, mais non, on parle de... Tu parlais de Hearthstone, toi. Ah, je croyais que tu parlais de Zelda Scrolls. J'ai marqué Hearthstone. Ah, alors je ne sais pas alors lire. Alors, j'ai pas marqué Hearthstone. Bon. Non, t'as pas marqué Hearthstone. Si jamais tu peux raccrocher en fait. Non, mais de toute façon, moi, elle va durer une minute là, puis après, je vais couper. Donc, tu peux rester jusqu'à la fin. Le mec, il te raconte sa vie. Bon, ouais, allez, salut. Ouais, ça. Ah, il est parti. Ah, j'aime bien ces imprévus. Du coup, vous avez plus le son de jeu, mais bon, c'est pas grave. Si tu trouves, je l'avais même pas entendu vu que j'avais pas fait les réglages comme il faut. C'est pas grave, hein. Je parlerai tout seul comme un espèce de gnou. De gnou. Ok, allez, quel est le temps? 28 secondes. Allez, j'ai pile le temps, je peux le faire là, si je fais le temps maximum. Enfin, minimum plutôt. Aïe. Là, je prends trop de. Dans les virages, je prends trop de temps. Ça va s'arrêter devant l'arrivée. Ah, ouais, je suis mort. Bon bah. Ouah, la face, comme dirait l'autre. Ah, je un-copyright à chaque fois que je dis quelque chose qui n'est pas à moi. Ouah, ça y est, je fais du contresens. Comme dans Gran Turismo, vous l'avez tous fait. C'est le mec. Oh, la voiture. Elle est jolie, hein. Bon, bah sur ce... oh, tu vois quoi, on va faire une petite dernière. Comme ça, j'aurai monté à tout ça. Et je vais essayer de le faire dans la nuit. Ah, quoi que non, parce qu'il faut que je télécharge. Je dévoile une des bêtas, de toute façon il a dit The Elder Scrolls Online. Voilà, un truc que j'attendais depuis longtemps. Je crois que ça va bientôt faire un ou deux ans qu'on en parle. Putain, il y a même des Russes sur le serveur. Et... Ok. Coucou. Ça y est, je m'amuse avec le bouton A, quoi. Si jamais vous voulez savoir, le mec qui fait la bande son, c'est Professeur Click. Parce qu'il est pas trop mentionné, je trouve. Mais vous pouvez aller sur SoundCloud. C'est une espèce de plus. Ouah, je vois plus rien. Et donc vous pouvez aller écouter ce qu'il fait gratuitement. Hein. Comme plein d'autres. C'est un compositeur indépendant. Ok.
Donc c'est un compositeur indépendant. Il fait, enfin mon goût, c'est de la, enfin j'adore ce qu'il fait quoi. Waouh, il y a des gens ils volent et tout. Ah, c'est bien, il est pas mal leur serveur, il est bien tenu hein. Pourtant, d'habitude c'est pas aussi bon. Attends. Par contre, ma conduite, c'est du steak haché, de chier, c'est de la merde. Mais en tout cas, c'est pas génial. Je peux vous parler aussi de ce que j'attends en termes de vie. What? Pourquoi je suis premier? Bon, c'est pas grave. Ouais, ce que j'attends en termes de vidéo et tout. Donc, il y a... comment ça s'appelle? Le film de Hard Corner, qui va bientôt sortir. Pour ceux qui savent que c'est. Il y a la saison de Warp Zone Project 2 qui va sortir. Aïe! Je suis 9ème. Il y a quoi encore? Bah peut-être bon deux vidéos de Freddy, je sais pas si vous avez vu, enfin je suis abonné, je sais pas si ça marque quand je regarde une vidéo, non je pense pas. Donc il y a Freddy que je vous conseille si vous comprenez un minimum l'anglais quoi. Parce que c'est des vidéos un peu, enfin il fait des beaux montages, puis des fois il fait les movie night là, ce qu'il est en train de commencer à faire. Ça dure entre 20 et 25 minutes je crois à peu près, et c'est complètement nawak. C'est marrant de les regarder de temps en temps. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Il reste 3 minutes. Je ne sais pas. Je pourrais vous montrer l'éditeur. Non, mais non, là, non, c'est tal. C'est limite un live. J'ai l'impression de faire un live en fait. Ouais, c'est ça. Tiens, ouais, si je, la prochaine vidéo que je vais essayer de vous faire, ah bah ça sera soit du Hearthstone, soit du Chivalry. Parce que, ouais, j'ai acheté beaucoup de jeux entre temps. Oh, il y a plein de trucs que je pourrais vous faire en fait. Oui, il va y avoir une chute nouvelle vidéo, de nouveaux concepts, de vidéos comme ça. Ouais, je pense que je vais bien m'éclater là. Le problème, c'est un peu les devoirs en ce moment là, parce que le deuxième trimestre au lycée, parce que plein d'entre lycée, vous allez les avoir. Enfin, un second quoi. Moi, comme je suis flemmard, si vous voulez, je passe vite avant le. Avant tout, si vous voulez ce que je veux dire. Je sais que vous le savez. Enfin, ce que vous avez vécu ça, ceux qui sont dans mon cas. Et donc, du coup, bah, quand je me prends des tôles. Et ben je rigole plus parce que j'ai plus l'ordi tout simplement. Ah, règle parentale. Établi au cours de l'édit de Nantes en 1967. C'est n'importe quoi. Je crois que c'est en Attends, c'est quand l'édit. Je crois que c'est en 1598 en plus. Je sais même plus quand c'est. Je dis ça comme ça, je sais même plus ce que c'est quoi. Je vais aller vérifier après pour voir si j'ai raison ou pas. Je peux aller voir aussi, je vais pas. Je vais pas le marquer, je vous laisse voir si ça vous, si j'ai dit de la merde ou pas. Si vous en foutez, c'est la même chose. Et c'est quand ça finit 1 minute 30. Alors je peux dire encore 1 minute 30 de merde. Alors, hier j'ai joué au Scrabble. Je sais pas moi, je voulais dire quoi. Ah oui, si, il y a deux jeux que je vais sûrement essayer de m'acheter. C'est. Bah alors, tiens, je ferai du Battlefield aussi parce qu'il y a China Rising qui sort. C'est Rust et DayZ. Donc deux jeux qui sont un peu semblables en quelque sorte. Donc DZ c'est, ou Daisy, Darkmoon aime bien le dire comme ça. Oui. Mazette, je crois que je vais finir le truc en marchant. Mon dieu qu'elle est moche cette voiture. Non mais elle est un peu fin sur la finition quoi. Enfin un peu léger quoi. Ouais donc Rust c'est un espèce de survival farmcraft. Un peu Minecraft sur les bords, putain, en parlant de bord. Et Daisy, c'est vraiment la survie, quoi. Donc c'est le standalone qui est sorti sur Steam il y a pas longtemps en pré-alpha, donc c'est assez baguette. J'ai pu voir ça, mais, comme ça je pourrais en faire avec Monsieur Roger. Enfin, un des Rogers, parce que nous sommes tous des Rogers. Voilà. Aïe, pourquoi j'ai freiné? Habitude de canyon, j'imagine. Allez, peut-être. Ah, mais non, on vient de finir la course. Quoi. On peut faire peut-être un espèce de free ou je sais pas quoi. Ouais. Bon, allez. Ouais. Oh, yeah. En plus, elle est vachement réussie et tout. Voilà. Et yes, oui. Pas sur les podiums, mais yes, oui, là-bas. Alors, on va finir cette vidéo. Elle a déjà duré bien trop longtemps. Avec des apparitions, tout ça. On va regarder juste. Partel. Ok, bon, allez, je coupe avant qu'il y ait le prochain chargement. Bah, c'est trop tard. Allez, à plus.